Le synthétiseur, on l'entend absolument partout aujourd'hui, dans toutes les formes de rock, de variété, de chansons, de musique de film, dans la musique pour publicité, dans les génériques de télévision. Et Tintamarre n'a pas fait exception grâce à Olivier Bleuclenet qui est avec nous ce soir. Olivier fait partie d'une génération assez bizarre de musiciens qui façonnent complètement notre univers musical et dont on connaît rarement les noms et encore moins les visages. Ce sont des musiciens de l'ombre et nous avons essayé ce soir de les amener sous les projecteurs. Et puis bien sûr l'instrument qui reste quand même assez mystérieux. Et puis certains de nos invités sont quand même un peu plus familiers. Pierre Henry, le pionnier de la recherche électroacoustique, et une star, il en fallait une, c'est un musicien américain, Herbie Hancock. Herbie Hancock, thanks for coming to Tintamarre. You were with the first jazz musician to play the synthesizer. Vous avez été le premier musicien de jazz à jouer du synthétiseur. Now you play... One of the first. One of the first. Un des premiers, dit-il, modeste. Now you play it, I guess, more than anybody else. Maintenant, vous en jouez plus que n'importe qui d'autre, je crois. Does that mean that you don't need your piano anymore? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez plus besoin de votre piano? No, I definitely need the piano, although... They have il a toujours besoin du piano. They have some pretty good piano sounds here, like this. Mais il y a des très bons sons de piano sur synthétiseur. It's not bad for... For a synthesizer. C'est pas mal pour un synthétiseur. but if I really wanted to do some very serious piano work, I would use the acoustic piano. Mais s'il veut faire un travail vraiment sérieux sur le piano, il va utiliser un piano acoustique. Did the fact that you played the synthesizer change your music? Est-ce que le fait de jouer du synthétiseur a changé your music? Does it, No, the fact that I wanted my music to change meant that I needed a synthesizer. Non, c'est plutôt le fait qu'il avait envie que sa musique change qui l'a poussé à utiliser les synthétiseurs. But at the same time, what you say is also true because a synthesizer can make so many different kinds of sounds, then even though I may be searching for one sound or two sounds or five sounds, I may hear 30 or 40 different sounds, and I may hear some other ones that might inspire me to make changes in my music.
Alors c'est, le contraire est un petit peu vrai aussi, parce que il y a tellement de sons dans un synthétiseur que, en fait, en cherchant un son, deux sons, cinq sons, il peut trouver 20 autres sons et ça peut l'inspirer à faire des choses qui vont changer complètement, complètement ce qu'il fait. The synthesizer, I mean, it's described sometimes as a cold instrument. I mean, as an instrument which has which lacks some feeling. On décrit le synthétiseur parfois comme un instrument assez froid qui manque d'émotion. Right, I understand that, but I think that that's a very unfair judgment to compare a synthesizer to a piano. Il comprend ça, mais c'est un peu injuste de comparer un synthétiseur à un piano, par exemple. The piano has been around for in its present form for about 200 years. Le piano existe dans sa forme présente depuis à peu près deux siècles. And synthesizers, the kind that we know of, have only been around for 10 or 15 years. Et les synthétiseurs tels que nous les connaissons maintenant, ils existent depuis 10 à 15 ans. It's like trying to say that a grandfather's wisdom should be compared to a small baby's wisdom. Un peu comme comme dire que la sagesse d'un grand-père doit être comparée à la sagesse d'un petit bébé. And we know sometimes babies know more than the older people. Bon, ce qui arrive parfois, c'est que les bébés en savent plus que les vieux. Because they have a very pure kind of mind. Parce qu'ils ont un esprit très pur. But still, it's not the same. Mais quand même, c'est pas la même chose. But one of the reasons is because this baby that we call a synthesizer is still in the stage of development. Et ce bébé que nous appelons le synthétiseur, il est encore dans une étape de développement. And the piano was already an old man or an old woman. Et le piano, c'est déjà un vieil homme. Merci encore, Herbie Hancock. Et j'aimerais que, pour terminer, il nous fasse un petit peu... il joue avec les sons qu'il préfère sur cet instrument, qui nous montre un peu les sons qui l'ont poussé à utiliser cet instrument et à faire sa musique avec. Parmi tous les musiciens que nous sommes allés voir, nous avons désigné un volontaire, Alain Wisniak, pour nous expliquer une question toute bête mais nécessaire. Qu'est-ce que c'est qu'un synthétiseur ? Écoutez, c'est une question vaste, Jean-Pierre, mais ce que je peux essayer de vous expliquer, c'est simplement que le son est produit par une petite puce. C'est un microprocesseur, mais c'est en fait un oscillateur. C'est simplement une vibration qui crée un son simple, comme un sifflement, et ce son est ensuite passé par un certain nombre de processeurs, le filtre, l'enveloppe, etc. Oui, alors dites-moi ça un peu. Le filtre, c'est comme votre ampli de haute fidélité, vous mettez plus ou moins d'aigu, plus ou moins de grave. Voilà, c'est un filtre, tout simple. L'enveloppe, ça vous permet de donner un départ et une arrivée au son, plutôt que de l'avoir continué et tiré. Par exemple, vous pouvez l'avoir très long, ou au contraire,
très court, vous lui avez donné une forme, une enveloppe. Vous pouvez également le moduler, c'est-à-dire envoyer, bon, électriquement vous envoyez un autre courant à l'intérieur, ça lui donne une forme ondulée au lieu de l'avoir droite, comme ceci. Par exemple, vous pouvez agir sur des tas de paramètres, la vitesse, l'amplitude de la modulation que vous voulez donner. Vous pouvez faire des choses qui sont formidables aussi. Vous pouvez jouer comme personne ne joue, c'est-à-dire avoir une technique absolument irréprochable et faire des arpèges formidables puisque c'est lui qui arpège pour vous. C'est-à-dire, vous lui donnez simplement les notes que vous voulez arpéger et vous lui dites arpéger. Par exemple. Alors, est-ce que ces réglages suffisent pour qu'un synthétiseur fasse à peu près, enfin, fasse tous les sons possibles, imaginables, existants, non existants? Est-ce que c'est vraiment une machine à tout faire? C'est un instrument de musique en même temps qu'une machine qui peut faire des tas de choses, mais il ne faut pas lui demander l'impossible. Je ne pense pas qu'il y ait un synthétiseur qui puisse tout faire. Ça imite peut-être certains sons simples, acoustiques que l'on a l'habitude d'entendre, mais on a, à ma connaissance, pas pu encore imiter l'orchestre. Ça imite quoi bien? Ça peut imiter des cloches, par exemple, parce que le principe de ces synthétiseurs japonais est assez réussi. À partir d'un son simple comme ça, en ajoutant les différents opérateurs et les différentes harmoniques, vous faites des cloches. Alors, est-ce qu'on s'y attache comme on peut s'attacher à un violon? Oui, bien sûr, bien sûr. On peut très bien le détester. J'ai eu des grandes bagarres avec un des miens qui, la semaine dernière, lorsque je lui rentrais une musique, ne voulait pas le mémoriser. Il voulait absolument pas le mémoriser. Et il me disait, quand je regardais sur son display, il me disait « Écoute donc ce que moi j'ai là ». Alors, lorsque j'appuyais sur le bouton et que j'écoutais ce qu'il voulait que j'écoute, j'entendais du silence. Alors je trouvais ça pas terrible. Alors je lui ai dit, grâce au logiciel, je lui ai dit, je vais effacer ce silence. Bon, ça lui a pas du tout plu, il a effacé tout le reste. Je travaille avec une cassette vidéo, comme d'ailleurs beaucoup de compositeurs le font aujourd'hui. Et grâce à cette cassette, je peux voir les images et essayer différentes musiques dessus. Alors il y a une dernière question qui me turlupine un peu, c'est qu'on dit un pianiste, on dit un organiste. Alors qu'est-ce qu'on dit pour un joueur de synthétiseur? Ben, je sais qu'aux États-Unis on dit synthésiste puisque c'est le synthesizer. Je suppose qu'en France on pourrait inventer un terme comme synthétiste. Eh bien écoutez, à partir de cette émission, on dira désormais en France synthétiste. Jean-Loup Dirsten, vous avez quand même beaucoup d'appareils ici en cours de réparation. Est-ce que ça veut dire qu'un synthétiseur, c'est très fragile et ça tombe très souvent en panne? Je ne crois pas. Mais enfin, comme nous sommes très peu à faire ce métier-là, ça s'explique. Nous avons des instruments qui viennent de toute la France. En fait, je crois qu'il n'y en a pas trop. Est-ce qu'il y a une grosse différence d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre? Est-ce qu'il y a des modèles qui tombent souvent en panne, d'autres qui sont solides? Oui, il y en a. Mais enfin, je ne peux pas vous dire lesquels. Pourquoi? Allez-y. Non. Mais ça existe. Il y a vraiment de très grosses différences, effectivement. Mais enfin, il y a aussi de grosses différences de qualité de son. En général, les instruments les plus beaux, au niveau sonore, pêche parfois un petit peu par leur aspect plus fragile. C'est un boulot fastidieux de travailler sur ces circuits ou c'est un plaisir? C'est un plaisir, de toute façon. Je crois que dans un premier temps, c'est une passion.
Olivier Bloch-Lenné, vous aussi, vous vous définiriez comme un passionné ? Ah oui, tout à fait passionné, mais spécialement de cet instrument-ci. C'est le Fairlight, c'est un ordinateur qui permet de travailler les sons d'une manière tout à fait particulière. Je crois que parmi tous les synthétiseurs qu'on a vu ou qu'on va voir dans cette émission, c'est le plus perfectionné de tous. C'est aussi le plus cher. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de différent des autres ? C'est le plus perfectionné, c'est pas le plus cher, mais c'est le plus perfectionné parce que il transforme le son en image. Ça paraît bizarre, mais c'est un ordinateur. Alors, il y a un clavier d'ordinateur, et pour un musicien, un clavier d'ordinateur, c'est quelque chose de tout à fait rébarbatif, parce qu'on ne peut pas à la fois taper son courrier et jouer de la musique. Donc, l'avantage de cet instrument, c'est qu'il transforme un son en une image vidéo qu'on peut redessiner. Vous voulez que je vous montre ? Oui. Par exemple, dites-moi un mot. Tintamarre. Voilà, vous voyez, ça c'est le tintamarre que vous venez de dire. Il a une drôle de tête, mais on l'entend. Et bien sur le clavier, je peux jouer maintenant. Vas-y. Dans le grave, ça va être très grave. Voilà. Alors il transforme donc ce son en une image vidéo. Quand je regarde l'évolution de ce mot, tintamarre, simplement ce petit mot, je peux voir qu'il se compose de tout un ensemble de courbes qui évoluent sur l'écran. Et c'est un petit peu le dessin animé qui représente l'évolution du son qu'on vient de faire. Alors l'avantage de cette technique-là, c'est d'abord qu'elle permet de faire des sons originaux, parce qu'on peut créer n'importe quel son à partir d'un micro, ou même de dessiner un son. Si je fais ce dessin, si je fais maintenant un dessin sur l'écran, je vais dessiner l'image d'un son qui est unique puisque je viens de faire cette forme-là, elle ne ressemble pas à une autre. Je vais la mémoriser. Ça va donner un son très simple puisqu'il ne se compose que d'une seule image. Mais un son original. Alors si je veux le modifier, libre à moi de redessiner tout un tas d'autres formes et de les mélanger les unes avec les autres. Et le mélange de ces images va me donner toujours des sons supposément originaux puisqu'ils ne sont pris à partir d'aucun son existant. On va faire un tour maintenant dans des machines un petit peu moins sophistiquées mais quand même techniquement très évoluées puisque c'est un domaine, le synthétiseur, où chaque année apporte pour ainsi dire des révolutions. Et donc on est allé voir chez les fabricants, chez les inventeurs, chez les vendeurs de synthétiseurs pour faire un peu le tour de ce qui s'était passé cette année, le point des dernières tendances sur le marché des synthétiseurs. Propriétaire de ce sublime train électrique s'appelle Éric Lamy, inventeur et fabricant de synthétiseurs. Et le train électrique, c'est pas seulement un joujou, car il lui arrive, dit-il, de passer des heures avec son train électrique et ça l'aide à réfléchir et à débloquer un problème technique. Tout ce que vous avez devant vous, c'est vous qui l'avez inventé, c'est donc fabriqué sous nom de marque MDB. Alors tout est parti des trains électriques. C'est pas partie des trains électriques, mais le train électrique fait partie de cette réalisation, oui. Et comment passe-t-on des trains électriques à l'invention de synthétiseurs ? Par la détente. C'est-à-dire que le train permet de penser à autre chose et sur ces produits-là, il faut pouvoir s'évader. Quand on commence à réfléchir longtemps, il faut pouvoir s'évader.
Miaou. On a 3 secondes d'enregistrement là, on a attendu 3 secondes. Miaou. Et on peut jouer. Miaou. Et à l'envers. Miaou. On met combien de temps pour inventer et concevoir une machine comme l'échantillonneur, par exemple? Combien de temps? On peut mettre un an. J'ai mis un an, en tout cas, pour cet appareil-là. J'ai l'impression qu'il y a toute une phase qui se fait de manière purement graphique. J'ai vu tout à l'heure des plans superbes sur des rhodoïdes transparents qui sont de véritables œuvres d'art, où il y a des aiguillages, d'ailleurs, qui ressemblent à des voies de train électrique. La technique peut être très belle, oui, bien sûr. Ça vous mettait combien de temps, par exemple, à faire un plan comme ça? Un plan comme ça, oh, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ça peut aller très vite si on dispose d'un CAO, c'est-à-dire d'un ordinateur qui compose le plan lui-même. Ça peut mettre une semaine. Et si on le fait avec des moyens plus légers, on peut mettre 3 mois. Et celui-là, par exemple? Là, j'ai mis 3 mois. Quand on présente sur le marché international du matériel français, est-ce qu'on est crédible? Crédible, bien sûr, tout de même. Mais il y a toujours un petit peu en moins. C'est curieux. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, le français est un imaginatif peut-être, et on le prend moins au sérieux, un tout petit peu moins. Mais quand même, hein, tout de même, on fait des belles choses. Alors là, chez Musicland, qui est la boutique spécialisée dans les synthés à Paris, on va essayer de faire le point des dernières innovations sur le marché. Et je crois que la première tendance, c'est ce genre de petit engin qui est, je crois, totalement autonome. Enfin, il permet d'être n'importe où sur sa pelouse. Il a des haut-parleurs, il est à pile. Cela dit, c'est pas tout à fait un synthétiseur au sens où on peut peut-être pas faire exactement le son qu'on veut. C'est quand même des sons qui sont prévus à l'avance. Non ? Il y a effectivement des sons prévus à l'avance, mais détrompez-vous, il a énormément de possibilités. Vous avez la possibilité de fabriquer certains sons et d'avoir certains rythmes et de fabriquer vous-même certains rythmes. Alors, et de les enregistrer. Ça dépend évidemment un petit peu des modèles. Je crois qu'il y en a beaucoup qui paraissent en ce moment dans son genre. Il y a vraiment plein de marques qui travaillent là-dessus. On obtient maintenant du matériel en fait de haute qualité avec beaucoup de possibilités pour des sommes qui sont tout à fait abordables. Les premiers prix, c'est autour de 1500 francs. Ça peut évidemment aller jusqu'à 5000 francs. Voilà, alors ça c'est le cadeau de Noël que va vous réclamer votre Niard l'année prochaine. Alors il faut s'y attendre. Il y a quand même un avantage, c'est que c'est quand même des appareils où on peut brancher une prise casque et ça peut permettre de faire de la musique sans faire de bruit, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Je crois que ça remplace complètement les gros orgues de salon qu'on avait avant qui permettaient de faire tous ces petits accompagnements sans avec la mélodie, enfin de jouer un peu automatiquement. C'est ces appareils qui sont en train de les remplacer. Bah oui, ce qui est vrai avec les ordinateurs, c'est vrai aussi avec les instruments de musique. Ce qui prenait autrefois des volumes absolument gigantesques, bien se retrouvent dans des petites choses comme ça et peuvent se déplacer n'importe où. Voilà, grande victoire. Tu vas voir, regarde. Hop. Extrêmement récent, qui est l'arrivée en force de la micro-informatique et des micro-ordinateurs domestiques
soit pour l'éducation musicale ou pour l'aide à la composition. Alors, je crois que c'est tout récent, ça se vend déjà, ces appareils. Oh là là, c'est une des plus grandes révolutions à ce niveau-là, et ça part, ça arrive. Un grand carton et c'est distribué partout en France, tout le monde en veut. Vous croyez vraiment que les gosses vont apprendre désormais, dans 20 ans, que les gosses apprendront le solfège avec un micro-ordinateur ? Bien plus que ça, non seulement ils pourront apprendre, mais ils pourront effectivement apprendre à composer de la musique, à faire des arrangements, des modifications, et garder tout ça en mémoire et le restituer quand on veut. Bernard Sagener, parmi les 10 000 machines que vous avez inventées et fabriquées ici, certaines musicales, d'autres visuelles, etc., vous avez inventé un certain nombre de synthétiseurs qui ne ressemblent absolument pas à ce qu'on a l'habitude de voir sous le nom de synthétiseur. Alors pourquoi ? Vous aviez quelque chose contre le synthétiseur, tel qu'il existait ? Non, moi j'aime beaucoup le synthétiseur puisque c'est quand même un instrument fascinant, extraordinaire pour ses possibilités sonores. Mon problème c'était que je n'ai jamais appris la musique, donc je ne sait pas jouer d'un clavier de synthétiseur traditionnel. Alors, il a été plus évident pour moi d'inventer des instruments qui ne tiendraient pas compte de mon incapacité, d'apprendre à jouer de cela et de les créer à ma mesure, à ma façon. Et c'est pour ça que j'ai fait ces instruments. Alors, est-ce que c'est seulement les instruments qui permettent de jouer quand on ne sait pas jouer du clavier, ou est-ce qu'ils ont des éléments en plus ? Oui, et ils ont quand même des éléments en plus. C'est-à-dire que je me suis aperçu que effectivement, le synthétiseur, c'est le premier instrument inventé par l'homme qui, théoriquement, a des possibilités illimitées sur le plan musical. Or, jusqu'à présent, tous les instruments de musique ont été créés en tenant compte de la morphologie et des possibilités humaines. Ce qui a une certaine logique, mais qui est une logique limitative. Eh bien, ces instruments que j'ai créés, je me suis aperçu qu'en réalité, on pouvait faire beaucoup plus de choses qu'un instrument traditionnel. C'est-à-dire que déjà, on ne joue pas que dans une seule dimension comme sur un clavier normal, qui est une dimension horizontale, mais on peut jouer partout dans l'espace, y compris avec le dernier né de mes instruments qui s'appelle le MC3. Son nom est un petit clin d'œil sympathique à Einstein. Ça veut dire espace musical contrôlé en trois dimensions. Et là, il n'y a plus d'instrument du tout, il n'y a plus d'objet physiologique. C'est un instrument qui se joue en déplaçant le corps ou les membres dans l'espace, et c'est ainsi que la musique se crée et peut évoluer. Alors, il y a un instrument sur lequel vous allez jouer maintenant, le snark. Oui, j'aime beaucoup le snark. C'est un instrument, alors lui par contre, très physique. On le prend, on le porte sur soi, il peut tourner, bouger, on peut le faire pivoter, on peut se déplacer avec, et on peut, sur le plan musical, avoir accès au timbre du son, à un grand registre, à des accords préprogrammés, c'est-à-dire qu'il permet de jouer beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire sur un synthétiseur traditionnel. Thank you.
Pierre-Henri, vous avez été un des premiers à travailler sur le traitement électronique du son. Et la première fois que je vous ai rencontré il y a quelques années, vous m'avez surpris parce que vous avez eu des mots très durs sur les premiers synthétiseurs qui apparaissaient à l'époque. Vous trouviez que c'était pas du tout intéressant. Alors est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles techniques vous ont amené à réviser un peu votre jugement ? Bien sûr, mais je dois dire qu'à cette époque, c'était, je crois, 70, au moment d'un concert à l'Olympia, j'étais assez contre le synthétiseur parce que j'estimais que j'étais peut-être le premier synthétiseur moi-même. J'avais fait dans les années 50 des petits bout à bout de montage électronique qui étaient en fait des mini-synthétiseurs très personnels, très instinctifs. Et je faisais du synthétiseur sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et maintenant, je dois dire que j'ai évolué, mais encore pas assez peut-être à votre goût. Pour moi, j'essaye en ce moment de faire plutôt un musée de synthé. J'ai même acheté les synthétiseurs de Jean-Michel Jarre et les URSF qu'il avait emmenés en Chine pour voir un peu comment tout ça sonne. Alors j'ai un vieux, le premier là. Et alors vous trouvez que ça sonne bien ? Alors je trouve que ça ne sonne pas pour le moment, mais je vais m'équiper en synthétiseur parce que ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. Je dois dire que je travaille quand même aussi à l'IRCAM avec des grosses machines. Je connais bien ce qu'il se fait et je pense qu'en ce moment, un studio comme le mien doit rester encore très proche du tambour, du collant, de la paire de ciseaux, d'un micro, d'un métronome, mais qu'il faut chercher des nouveaux sons, et je pense que ces nouveaux sons, il faut les trouver avec son propre travail, et je crois que le synthétiseur, précisément, empêche le travail de composition, le travail d'élaboration, la progression dans le travail, je dirais même un certain mysticisme dans le travail. C'est pour ça que je reste sceptique. Mais ça m'intéresse beaucoup sur le plan technologique. J'ai cru comprendre que vous prépariez en ce moment un très grand projet. On m'a dit que c'était quelque chose d'une ampleur encore plus grande que ce que vous avez fait auparavant. Est-ce qu'on peut déjà vous demander quelques détails ? C'est le projet du centenaire de Hugo, ça s'appelle Hugo Symphonie. C'est une œuvre de 7 heures qui sera créée à Besançon, à Strasbourg, à Lille, à Bordeaux, à Metz, et qui ensuite sera donnée à Paris, à la Maison de la Radio, et ça va me prendre toute l'année. C'est une œuvre à partir des éléments chez Victor Hugo. J'ai cherché, en retravaillant les textes, quand Hugo parlait de l'eau, de la terre ou du feu, et ce sera une sorte de fresque de musique épique, ou naturel, parce que je suis très proche encore des sons naturels. Alors je voulais vous demander, puisque nous sommes dans le mois du livre, quel était le dernier, le plus beau livre que vous ayez lu récemment ? Je crois que vous m'avez déjà un peu répondu, c'est Hugo. Le plus beau livre, c'est un livre d'Hugo, parmi beaucoup. J'aimerais vous citer La fin de Satan, qui est un poème absolument cosmique, qu'il a fait, mais qu'il n'a pas terminé, un peu comme Dieu, quand j'avais fait aussi ce spectacle avec Jean-Paul Faré, d'après Dieu. Donc c'est le grand poème cosmique et mythique de Victor Hugo, et c'est un livre très bien fait, établi par Jean Gaudon, et qui vient de paraître dans la collection Folio. Merci. On va voir maintenant le dernier reportage de cette série sur les synthétiseurs, qui va peut-être répondre un petit peu à la question qu'on se posait, c'est-à-dire au fond, est-ce que le synthétiseur est une machine ou est-ce que c'est quand même vraiment un instrument de musique ?
Dominique Perrier. Est-ce que vous croyez que Jean-Sébastien Bach aurait été transporté de joie en écoutant son concerto brandebourgeois joué sur vos synthétiseurs? Je pense que ça l'aurait amusé. Il aurait peut-être voulu toucher un peu au bouton lui aussi, mais il faut voir. Pourquoi avoir choisi Bach? C'est à cause du côté mathématique de la musique qui correspond bien avec cet instrument. Est-ce que c'est pas aussi un peu mégalomane de dire d'être un petit orchestre à soi tout seul et jouer les concertos et... Non, ça c'est un petit orgue de barbarie moderne. C'est rien de plus, c'est-à-dire au lieu d'avoir un rouleau, enfin le principal c'est qu'il n'y a pas de manivelle, ce qui est très pratique, il n'y a plus la manivelle. Mais enfin, au lieu d'avoir le rouleau, on a une petite cassette, on met la cassette, et puis c'est l'instrument qui joue. C'est-à-dire que la partition, elle est respectée intégralement. Il n'y a aucune interprétation. Oui, enfin, vous pensez que ce n'est pas une interprétation que de ne pas interpréter? Si, c'en est une, mais elle est neutre. Elle est neutre, oui. Et c'est ça qui vous passionne avant tout dans cette méthode, cette espèce de neutralité de... Oui, surtout par rapport à Bach, qui n'aimait pas tellement les musiciens et qui n'aimait pas les interprétations. Il n'aimait pas qu'on lui dise « Est-ce que vous voulez que je vous le fasse comme ça ?» Autrement, vous voulez que ça soit droit. Alors, mais c'est vraiment très, très ascétique, ça, comme démarche. Vous vous effacez complètement, vous n'existez plus, quoi, en tant que musicien. J'enlève les médias entre le créateur et l'oreille humaine. Michel Redolfi, vous êtes un musicien de musique dite savante ou sérieuse. Vous avez fait vos classes dans la recherche électroacoustique. Et alors, au contraire de quelqu'un comme Pierre-Henri, par exemple, vous avez travaillé essentiellement sur le synthétiseur. Vous l'avez énormément utilisé. Donc, vous l'aimez, le synthétiseur. Vous le défendez. On peut s'attacher à un synthétiseur parce qu'un synthétiseur grandit, mûrit avec le compositeur. N'oublions pas que je parle des synthétiseurs, donc à mémoire, sont donc des instruments qui évoluent. Chaque matin, lorsque je reviens sur le synthétiseur, c'est un instrument qui a vieilli d'un jour, lui aussi. Il a quelque chose dans sa mémoire qui n'était pas la semaine d'avant et qui est résultant de la progression que j'ai vis-à-vis de l'instrument et aussi de ma progression dans l'intelligence musicale. Est-ce que vous croyez que c'est l'avenir? Est-ce que les instruments de l'orchestre vont disparaître et est-ce que tout le monde va se mettre à composer comme ça? Les questions d'avenir me laissent toujours, me laissent toujours silencieux. Je pense que l'avenir, c'est la distance la plus courte entre le cerveau, la pensée, l'imaginaire et l'instrument. Je pense que cette table de mixage ici est archaïque. Je veux dire, c'est du Jules Verne. On a plein de boutons, c'est très impressionnant, mais c'est aussi impressionnant que les boulons de cuivre dans le sous-marin de 20 milieux sous les mers. Ce sont des choses qui nous feront sourire. Et pourquoi? Parce que en ce moment, pour transmettre à la machine ce que j'ai dans la tête, je dois passer au moins 20 secondes appuyé sur des boutons. Si maintenant, comme vous le savez, on peut de plus en plus, enfin du moins depuis un mois ou deux, on peut commencer à instruire des ordinateurs par le regard. Et les doigts ne sont plus l'intermédiaire obligé. Si je peux maintenant regarder la console et patcher ce que j'ai envie de faire, c'est passionnant parce que non seulement je gagne du temps, ça c'est pas la chose la plus importante, on a quand même 24 heures par jour, mais je peux aligner et superposer, mixer dans ma tête des complexes sonores et le complexe intellectuel beaucoup plus intéressant parce que justement plus proche de la pensée immédiate. Je crois que l'avenir c'est de composer aussi vite que ce que l'on pense. Georges Roddy, vous travaillez en général en équipe avec un autre musicien qui compose et vous, vous consacrez à la programmation, à la création des sons sur les synthétiseurs. Alors j'aimerais bien qu'on parle un peu son. Si je vous dis son électronique, son synthétique, vous me dites quoi? Alors son électronique, son synthétique, mais ce qu'on essaie de faire justement avec Gabriel, avec qui je travaille en ce moment, c'est de marier les deux.
essayer de trouver un équilibre entre les deux. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude quand on a travaillé comme vous pendant des années sur les synthétiseurs? Est-ce qu'on ne se lasse pas du son électronique? On ne peut pas se lasser du son électronique parce qu'on ne peut jamais en faire le tour. Donc on peut toujours trouver de nouvelles formules, de nouvelles combinaisons entre les sons pour arriver à d'autres sonorités en fait. J'ai remarqué que vous et Gabriel Yared, vous utilisez de plus en plus souvent maintenant cette nouvelle génération d'appareils qui sont plutôt des ordinateurs que des synthétiseurs, qui en fait recréent, enregistrent un son d'origine naturelle ou acoustique. Pourquoi? C'est un son qui vous paraît plus intéressant maintenant ou... Oui, puis d'autant plus qu'on peut aussi modifier ce son-là une fois qu'on l'a enregistré, on peut aussi travailler dessus et donc avoir un compromis entre un son naturel et un son synthétique, parce qu'on ne sait plus très bien si c'est un vrai son, disons, enregistré ou un son synthétisé. On n'arrive plus à faire la différence. Je m'appelle Gabriel Yared, je suis compositeur et ce que nous allons entendre, c'est la musique du film Adieu Bonaparte de Youssef Chahine. Cette scène, qui est une scène d'envoûtement, a été écrite pour orchestre à cordes, 113 musiciens environ, et ordinateur. La partie que je vais jouer maintenant est la partie consacrée à l'ordinateur. Et j'ai voulu délibérément faire cela à l'ordinateur parce que les timbres sont différents et sont un peu plus troubles que les timbres de cordes. Et au moment où j'arrêterai donc de faire les recordings d'ordinateur, nous repasserons à l'orchestre acoustique, enregistré en studio avec les 10 musiciens. Voilà. Le synthétiseur comme machine à jouer Bach de façon mathématique, le synthétiseur comme machine à composer aussi vite que l'on pense, là on est en plein futurisme, et puis peut-être la troisième solution, c'était la solution de sagesse, la solution d'aujourd'hui, qui est de marier le synthétiseur avec les instruments acoustiques, puisqu'il semble aujourd'hui que le synthé ne remplacera pas tous les instruments, comme on le dit parfois, il est en train aujourd'hui de trouver sa place.